Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, on finit de ranger un petit peu la maison, les deux, trois trucs, avant de partir chez papy et mamie. Et on va sortir Robin. les vélos. Ils vont aller au parc. Non, Robin, on peut pas. Au parc? La voiture, elle est trop petite, celle-ci. On va aller aider papy pour une bricole. On va certainement manger là-bas, puis revenir. Ensuite, on s'attaque à la voiture. Ouais. Voilà, on va commencer les réparations de la voiture. On va surtout soutenir papa. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Il va prendre son chapeau, on verra. Voilà. Bon, mesdames, vous voyez, un homme, ça repasse aussi. Ce modèle-là, il est pris. Hein. Il est pour moi. Donc ça, c'est le cadeau que j'ai cousu pour ma maman. Une grande nappe sur mesure pour une table sur mesure. Voilà, c'est pas parfait, mais au moins c'est un petit cadeau fait maison. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Robin. C'est qui a droit à un gros nounours? Tu t'assois. Assis-toi. Là, tu es mon beau chien. Tiens, mon loulou. Alors, on est revenu à un peu plus de 4h30. Et là, on s'attaque à la voiture. On s'est changé. Donc, Damien fait la voiture. Je suis au côté en train de vernir un petit peu les planches. Comme ça, dès qu'il a besoin d'un petit coup de main pour débrayer, freiner, etc., je suis là. Et voilà, on va travailler au moins pendant 1h30 comme ça. On va essayer d'avancer un petit peu. Bon, voici toutes les planches que j'ai lasuré, elles serviront à faire une jardinière, enfin à délimiter le parterre avec l'allée de la maison que l'on a sur le côté que j'ai désherbé il y a quelques jours. Bon, pour cette fin de soirée avec Damien, les filles sont couchées. On va se faire très exceptionnellement une petite pizza toute faite au distributeur de pizza. C'est absolument pas zéro déchet, mais on s'est trop pris la tête sur la voiture là, donc on mérite une petite dose de réconfort. Je pense pas que je vous reprendrai après, alors je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.